Hello, on est le 28 mars et aujourd'hui on est avec ma copine Angélique et on va du coup en direction de Harlem. Voilà, donc là on va prendre le métro, on en a pour à peu près une demi-heure normalement, si tout va bien. Et monsieur D, il est où? Il est là. Il est blasé de la vie. J'ai remarqué dans ma vidéo d'avant, je sais pas si vous l'avez vu, je réponds, je lui pose des questions, il me fait ouais ouais, le mec il en a rien à secouer. Mais c'est pas grave, bon allez, on y va. Presque ça. Plein Harlem et les maisons là sont trop mignonnes. Et là en fait vous voyez là les couleurs des maisons, ça passe de couleurs différentes, c'est plutôt sympa. Du coup on est à l'Abyssinian Baptist Church, mais je crois que c'est fermé. Par contre c'est une superbe église. Et c'est la plus vieille église afro-américaine. On va voir si on peut rentrer dedans, mais je crois que c'est fermé. Peut-être rentrer là-bas. Non. Bon, ça a l'air fermé. C'est dommage parce qu'a priori à l'intérieur c'est magnifique. Bon du coup là on est dans Harlem, on va, voilà, on descend les rues. On est juste dégoûté du coup parce que l'église elle était fermée, donc on n'a pas pu y aller. Enfin la cathédrale, oui c'est une cathédrale je crois. Oui, une licorne. Ou j'en sais rien, j'ai des petites des conneries. Donc voilà, donc là on est en plein centre de Harlem. On était dans ce magasin là, Jimmy Jazz. Il y avait des trucs super sympas, mais un peu cher. Un peu cher. Bon, on va traverser parce qu'on va aller prendre en photo l'Apollo. Il y a l'Apollo, c'est là où il y a des spectacles mythiques, des concerts. Voilà, donc on est venu là pour Monsieur Murphy qui voulait le voir. C'est assez particulier parce que là, vous voyez, le magasin, ils vendent des chaussures. Et juste à côté, là, dans la même boutique, ils vendent des bijoux. Voilà, comme on dit, le magasin, il n'a aucun sens. Il y a de tout et de rien, quoi. En fait, ils vendent chaussures d'un coin et bijoux de l'autre avec du parfum. C'est assez particulier. Bon, nous là, je vous avoue, on a craqué pour Anna. Je vous laisserai deviner laquelle ce qu'on a pris, hein? Peu de shopping et là on va manger normalement au Harlem Check, voilà, qui est sur la 124e, donc on va voir ça. Du coup on n'a pas acheté les chaussures, Anna y avait pas sa taille, on a pas de bol, mais bon comme dit Murphy on en trouvera d'autres, hein. Bah oui, bon bah allez on continue. Bon du coup on va manger au Harlem Check qui se trouve ici, donc on y va. Bah surtout que je suis en train de pas, je filme. Hein, jolie poule. C'est pas grave, c'est ma star de la porte, c'est Angélique. Hello. C'est au Harlem Check. On en a eu pour 27,76 $. Pour deux hamburgers, deux coca et puis des frites fromage et frites normales.
mange des frites, hamburger, ma fille mange des frites avec du fromage. Il a quasiment fini son burger. On va se régaler. Bon, du coup, on a mangé au Harlem Shake. Il y en a qui se foutent de ma gueule. On a juste dit que t'allais parler. Hein? On a juste dit que t'allais parler. Voilà. Donc, du coup, on a mangé au Harlem Shake. Franchement, c'est trop bon. Ils sont petits les hamburgers, mais si vous prenez des frites avec, ça passe bien. Voilà. Du coup, je vais vous montrer l'avenue parce que là, c'est trop sympa. Moi, je suis impressionnée par leurs églises, quoi. C'est vraiment magnifique. A priori, hein, si on en juge, c'est une école. Du coup, là, on va voir un chapelier. C'est sa boutique, en espérant que ce soit ouvert. Je sais, ça n'a pas l'air. Il est plus midi là. Hi. Hello. Oh. Ouais, mais t'as tout là, regarde, t'as les bonnets. How's your day today? Good? Good. Ma soeur, elle serait folle là. Du coup, on est rentré dans le magasin à chapeau. Bah, on s'était dit qu'on peut-être, allez, jusqu'à 100$, on aurait peut-être craqué. Mais bon, le chapeau, c'était combien? 400$? Ils parlent entre eux, ils ne parlent pas. Ouais, 400$. 400$. Voilà, donc là, du coup, on va aller à l'université. Dans les quartiers d'Harlem. Voilà, on va vous montrer ça. C'est parti, mon kiki. Bon, du coup, on va monter tout ça et on doit aller tout là-bas. Il y a trop de marches. Je sens que je vais être encore au bout de ma vie comme hier, quoi. Vas-y, twerk. Et là, t'es au bout de ta vie. Avec un couloir comme ça, ça fait un peu coup de planche quand Je pense que vous devez m'entendre en train de respirer comme un bœuf. La fille, elle est nature, quoi. On va pas compter les marches, mais en gros, il y a trop de marches. J'avais mieux servi de faire ça. Moi, c'est quoi, c'est le soir du matin? Bah ouais. Bon, je disais que c'était propre, mais bon, là, il y en a un qui a quand même laissé sa truc de pizza, quoi. Bon, du coup, on a traversé le parc et on va en direction de l'université. Bon, du coup, il y en a un, il crisse parce que je lui dis que ses photos, elles sont pourries quand il les prend. Et il m'a dit que si je lui achetais ça comme voiture, il essaiera de s'améliorer. Mais c'est pas le cas. Du coup, là, on commence à arriver vers les quartiers de l'université. Les bâtiments, ils sont juste grandioses, quoi. Démesurés, quoi. Bon, voilà, on est en plein cœur, en fait, de l'université. C'est un truc de dingue de se dire que tous ces bâtiments-là, en fait, c'est des classes, quoi. Là, c'est la
bibliothèque là. Bon, du coup là on est vers un parc. Je pense que ça doit être sympa à faire, mais quand c'est fleuri, parce que là ça nous enchante pas trop. Donc finalement on change le programme et on va pas s'y balader. On va aller à l'autre bout de Manhattan. On va aller du côté de Wall Street. Allez, je vous embarque. Je pense qu'on a pas tous là. Tu penses avoir quoi? Non, pas tous. Cet après-midi, on improvise, hein, parce que on va aller à Century 21, faire les magasins. C'est assez grand, et puis après, je sais pas, on va voir. Je vous emmène dans Century 21, c'est de la folie là-bas. Bon, du coup, juste. En gros, il coûte 79$, 80$ là. Et là, tous les sacs à main, les filles. Tout ça, c'est que des marques. Quasiment à moitié prix. Bah, c'est des anciennes collections, hein, mais. Et là, je cherche ma pote parce qu'on s'est perdu. Les boutiques, j'ai pas tout filmé parce qu'il y en avait trop. Et du coup, je vais vous montrer, j'ai des nouvelles chaussures. Et là, on va aller en fait au boulot de ma copine, elle va nous montrer ses locaux où elle travaille. Donc ça, je pense pas que je vais filmer, je pense pas que j'ai le droit. Et ensuite, on va aller faire un rooftop. Mais avant, on ira trouver des chaussures pour Anna, on va voir si on trouve sa taille. Voilà. Donc le programme de cette fin d'après-midi, parce que là, il est 17h30, je crois. C'est ça, je vous montre mes chaussures, elles sont trop belles. Devinez où est-ce qu'on va dans un rooftop. Ouais. De toute façon, faut appuyer sur un des boutons à côté. Ouais, sur le bouton sur le côté, mon avis. Vas-y, tente. Bon voilà, on vient de sortir du rooftop. Ça m'agace, ils me regardent tous, ils se touchent de ma gueule. Du coup, je clôture cette vidéo et je vous dis à demain. Salut!